Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va regarder une story de Chiquita 937 et après la story, je vous dirai mon avis. Donc qui est Chiquita? Chiquita est une célèbre Snapchatteuse connue pour certaines de ses phrases cultes comme c'est les cités de France ici, Narvalo ou Nael Chitan en bécane. Donc c'est une meuf, voilà, elle a un franc-parler, elle aime clasher et là, elle va nous faire un petit clash. Donc on va écouter ce qu'elle dit. Poulop, je me réveille ce matin, je vois quoi? Petite vidéo, je vois des stories, ça m'envoie des stories, des dingueries, des. Mais il y a un truc que j'ai pas compris, ma gueule. T'as vu, en vrai de vrai, tu fais le bilan, tu regardes bien. Jazz, Laurent, machin, histoire. Hé, hey, Chagall, t'as vu? Laurent, Jazz, sa femme. Même il part avec des autres raclons en 2020, réveille-toi, la fidélité, c'est terminé. Hé, hey, sa femme, elle voyait en jet privé. En jet privé. Eh ma gueule, t'as eu 900 000 mecs, t'es là, t'apprends à tout le monde, personne te cala, t'as même pas de mari. Et t'oses encore ouvrir ton cave. Reste à ta place, C'est quoi maintenant? ça va pas, non. Non, parce que tu regardes bien, tu fais le bilan. Eh, t'es plâtré, Guy, t'es plâtré, t'as des lots. T'es même pas heureuse, en fait. Pose-toi les bonnes questions, en fait. Parlez. En plus, tu sais même pas t'habiller. Croyez-moi, j'y vais tout doux. Là, pour l'instant, je suis tout doux. J'attaque pas trop en frontal. Parce que toi, je fais partie du genre de raclis, frère. À ton mec, il te trompe. C'est lui qui te quitte. Tellement t'es naze. Eh, t'es naze. T'es naze, broc. Eh hey, ma gueule, dans le monde des réseaux sociaux, tu prends parti. Tu prends parti, mais tu prends parti des gens qui sont les plus sensés et qui sont les plus corrects. T'as vu, à partir du moment où tu fais des trucs de lâche, parce que c'est un truc de lâche, un truc de vice, t'as vu, t'as capté laquelle quand t'as pas peur d'affronter face à face les humains, ou si t'as un système de défense quel qu'il soit, tu n'utilises pas les réseaux sociaux, la faiblesse des gens pour appuyer là où ça fait mal, c'est un truc de schmetta. Et t'as vu, chez nous, ça se fait pas les trucs de schmetta. Tu en as quel ou pas? Donc voilà le parti que je prends archi, oui. Tout à fait. Et là, ici, c'est les cités de Frangance, Narvalo. Même si eux, c'est pas les cités de France, c'est les cités de Dubaï ou c'est pas les cités d'où. Et Khaï, nous, on est là, t'inquiète pas, bébé. Donc je crois que c'est tout pour cette story-là. Quel qu'il soit, n'utilises pas les. Donc voilà. Ça faisait longtemps qu'elle n'a pas clashé. Encore, on va dire là, c'est gentil. On va dire, elle a un langage, un franc-parler dur, mais elle n'insulte pas, elle ne menace pas, tu vois. Ça, je trouve, c'est bien. Elle a un franc-parler, elle parle, elle ouvre sa gueule. Voilà, si elle trouve ça, c'est pas bien, elle dit ça, c'est pas bien. Mais bon, sur cette dernière story, elle a dit ouais, moi je dis mon avis, mais vous avez pas le droit de dire votre avis sur moi. Non, voilà, elle a un franc-parler, voilà, un franc-parler brut, tout ça. Des fois, elle est un peu taquine, on va dire, mais ça va, tu vois, ça va. Ça va, ça reste correct. Il y a eu des histoires de couple en cours à Dubaï, il y a eu des histoires de je sais pas quoi, il y a. Je trouve qu'elle a raison. Là, sur ce point de vue-là, je suis d'accord avec elle. Donc, n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un grand pouce bleu, à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.